Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. La feuille de route a été officialisée 3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin, pour enfin retrouver ce que nous, on considère aujourd'hui et qu'on définit comme la liberté. Est-ce que c'est ça? Comment on s'y prépare ou on va s'y préparer? On va essayer d'en discuter et de répondre à cette question dans Causement Réunionnais. Guy Roger, bonsoir. Bonsoir, Jismi. La première question, c'est est-ce qu'il faut s'y préparer? On n'est pas préparé déjà. Justement, c'est que on n'est jamais préparé. On n'a pas été préparé au confinement. Oui. Est-ce qu'on va se préparer au déconfinement, à retrouver la vie d'avant? Je ne dirais pas une vie normale, oui. Je dirais la vie d'avant. Et dans la vie d'avant, est-ce qu'on a été préparé à tout ce qui nous est tombé dessus? Mais dans la vie d'avant, est-ce qu'on était déjà conscient que la vie qu'on vivait n'était pas la vie vraiment? C'était ce qu'on voulait dans la vie d'avant. La vie d'avant n'était pas la vie. Parce que, tu sais, la vie d'avant, il y a toujours eu des guerres. Des gens qui se disputent, des gens, tu sais, les meurtres, les gens qui meurent de faim, ça a toujours été. Et aujourd'hui... Alors, je vais rebondir là-dessus. Dans cette vie d'avant, on a accepté les choses. Oui. On s'est adapté. Oui. Contre notre volonté. Et comme dirait le guignol de Richard Virenque, souvent, à l'insu de notre plein gré. Oui. Et... Là, on nous a imposé quelque chose, mais ça, on n'a pas accepté et on ne veut pas s'y adapter. Oui, oui. Sauf qu'on s'y est fait quand même. On n'a pas eu le choix. Parce que nous ne sommes pas dans la liberté déjà. Parce que nous avons peur de perdre les avantages qui nous ont été donnés dans la vie d'avant. Oui, alors justement, quand Guy Roger parle de liberté, est-ce que c'est une illusion? Est-ce qu'on s'est fait croire qu'on est libre? Oui. Est-ce que c'est vraiment la liberté? Bien sûr, on s'est fait croire. Tu sais, de partir, de prendre ta voiture et de faire le tour de l'île parce que tu es jeune et tu as eu ton permis et tu dis « je suis libre », c'est pas la liberté, ça. C'est un moyen de se déplacer. Et c'est un moyen d'avoir du plaisir. Et ce plaisir te donne l'impression que tu es libre. Mais... la liberté, ce n'est pas parce que quelqu'un prend sa voiture et fait ce qu'il veut, ou quelqu'un avec son argent fait ce qu'il veut. Tu comprends? La liberté, c'est d'être, de pouvoir être soi. Mais on a vraiment en nous cette incroyable sensation de croire qu'on est libre. On est convaincu qu'on est libre. Ouais. Qu'on est libre d'aller acheter ce qu'on veut, de pouvoir faire notre barbecue à l'heure, le jour et à l'heure qu'on veut, d'inviter les gens avec qui on a envie d'être. Mmh. On est convaincu que si on rentre dans une grande surface ou dans un magasin, on a la carte bleue, on met sur la machine, ça paye tout. Mmh. On est libre. Oui. L'argent nous rend libre. Le oui. pouvoir nous rend oui. libre. Alors, si c'est l'argent qui nous rend libre, si notre pouvoir nous rend libre, on est dépendant de ça. Si tu n'as plus ça, si tu n'as pas la carte bleue, alors c'est quoi cette liberté? Ah ben, c'est une illusion, parce que la liberté, c'est pour tout le monde. La liberté, c'est pas seulement pour celui qui peut. Parce que si tu peux et que l'autre ne peut pas, alors ta liberté va enfreindre l'autre. Et pour répondre à ça, demain, si on n'a plus cet argent, on n'a plus ce pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a ceux qui choisissent le suicide. Oui. Et on l'a vu dans un pays d'Asie... La gente féminine qui avait un travail et qui a perdu leur travail, ben, ont fait le choix de ne pas affronter leur vie sans travail et sans argent. Oui. Donc, c'est pour ça que je disais que, est-ce que c'est vraiment une liberté ou c'est une prison qu'on construit? C'est une prison dorée. Et là-dedans, tu vois, toute notre existence, on nous a baratiné, à chacun d'entre nous. Fais ça, apprends bien à l'école, tu auras une belle situation. Et avec cette situation-là, tu pourras faire ce que tu veux, tu seras libre, tu vas réussir. Mmh. Et tu vois, on nous a tous baratiné ça. Et pour nous, tu vois, c'est devenu tellement important de pouvoir faire
toutes les choses qui nous donnent un peu de bonheur, un peu de gaieté, parce que tu vois, le monde tel que nous le vivons tous les jours n'a pas cette gaieté, parce qu'on répète tout le temps les mêmes choses. On va travailler, travailler, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Mais il n'y a pas de sens avec ça. Il n'y a pas de joie. Il y a juste gagner pour pouvoir s'empiffrer. Et s'empiffrer pourquoi ? Pour avoir du plaisir. Mais ce plaisir, il vient de quelque chose, de ce que tu as construit. Et ce que tu as construit est éphémère. Ça n'a aucun sens. C'est un constat qui, malheureusement, est vrai. Mais qu'importe les périodes d'épreuves que l'être humain traverse, beaucoup, malheureusement, ne prennent pas conscience que la véritable vie, c'est pas d'avoir un bon travail, une belle maison, un bon compte en banque. Et au contraire, et ça, malheureusement, ça va se passer après cette période où il a fallu changer la façon de vivre. Il va y avoir une course effrénée à retrouver ces postures d'avant. Voilà, voilà. Et alors, c'est pour ça que moi, je dis, celui qui a compris quelque chose, eh bien, celui-là, il est, je dirais qu'il est, il est béni. Parce qu'il a vu quelque chose, il a pu prendre le temps de comprendre que la petite fleur avait une odeur. Et il s'est penché pour sentir. Et quand il a senti, c'est cette odeur qui lui a donné un sens à la vie. Parce que nous n'avons plus de sens, nous ne voyons plus la beauté. Nous sommes tellement occupés dans nos têtes à vouloir avoir ce que nous aimerions avoir. Donc la tête occupée ne peut plus vivre, ne peut plus être présente. Oui, mais tout le monde n'est pas Diogène dans son tonneau, avec Alexandre le Grand face à lui en disant « Qu'est-ce que je peux te donner pour te rendre heureux ?» Et Diogène va lui répondre « Écarte-toi de mon soleil. » C'est l'être humain, lui, voit d'abord son matériel. Qu'importe le matériel. Il ne voit pas la profondeur d'un sentiment, d'une affection, d'un être. C'est pour ça que ce que nous avons construit, Jismi, le monde que nous avons construit, nous en sommes tous responsables. Oui. OK. Le problème, c'est que nous croyons que l'autre là-bas, il doit se débrouiller tout seul. Mais si toi, tu ne te débrouilles pas pour donner un peu de joie dans toi, pour mettre l'ordre là-dedans, eh bien, autour de toi, il n'y aura jamais de l'ordre. Et tu es responsable de ça. Il ne faut pas attendre que quelqu'un va le faire. Parce que nous sommes responsables de notre vie. Et quand tu prends responsabilité de ce qui se passe, alors tu donnes l'occasion à la vie de s'épanouir. Oui, mais et aux gens qui ne sont pas capables de faire ce que tu as fait. Si on n'a pas appris à avoir la bonne définition de la vie, comment on sort de ce... On sort de cette période contrainte, sanitaire. Comment on va... dans quel état d'esprit on doit sortir de là? En se disant... On a tenu le coup, on est toujours vivant, de se dire, ben, j'ai fini par sauver l'essentiel, ma maison, ma voiture, mon travail, mon barbecue, ou de dire, je sors avec, en ayant profité de ce moment pour explorer mon intérieur, pour explorer ce que je suis, pour essayer de redéfinir les valeurs, prioriser les valeurs, et pas, en tout cas, ils ne sont pas beaucoup. Et comme disait Thierry Arail dans une discussion, de se dire « j'ai la chance d'être encore vivant ». Combien vont le faire ? Ben, tu sais, c'est être vivant, c'est quelque chose de beau. Si quelqu'un ne voit pas combien sacrée la vie elle est, eh ben, elle va la banaliser. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans ce monde, on tue parce qu'on aime, on tue parce qu'on n'aime plus, on tue parce qu'on a faim, on tue, et c'est devenu banal. Et donc moi je trouve que la vie qui émane de soi, c'est le plus sacré, la plus sacrée des choses qui puissent y avoir, et on doit la respecter, tu vois. Le problème, c'est que nous avons banalisé ça, nous ne vivons pas,
Nous ne vivons pas. Nous voulons la vivre. Nous essayons de faire en sorte que ça existe. Et nous avons le concept de ça. Et nous poursuivons le concept de ça. Parce que la vie, tu sais, c'est quoi? C'est quand il y a la paix, quand l'esprit est en paix. C'est là que la vie se manifeste. Mais autrement, quand tu n'es pas en paix, quand tu as toutes tes tracasseries, il n'y a pas de vie. Il y a juste la mécanisation de la machine du corps qui fait des choses sans la présence de la conscience. Tu vois? Et c'est ça notre problème. C'est que nous n'avons pas compris que en étant compulsif, en voulant avoir ce que nous aimerions pour nous satisfaire, eh bien, ça crée un monde machinal. Aujourd'hui, tu regardes le monde, on est des robots, quelque part. On va travailler, on revient, on part à la plage le dimanche, on refait pareil, et ça se répète tout le temps, tout le temps. Ce constat est vrai, mais la question, c'est comment faire prendre conscience à ces personnes que ce mécanisme mis en place n'est pas la bonne définition de la vie. Je ne sais pas si je peux faire prendre conscience à quelqu'un, mais je peux le dire, je peux dire ce que je vis. Je peux dire ce que je vis. Et si la personne entend, il va peut-être se poser des questions. Et moi, je trouve que c'est la seule solution, à mon sens, tu vois. On ne fait pas prendre conscience à quelqu'un, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, c'est la vérité, je te dis, voilà, prends conscience. Non, il faut qu'il le sente. Et c'est en discutant comme ça, en essayant d'avoir un partage ensemble, que peut-être qu'on entendra raison de notre condition. Et ces gens qui sont dans cette condition-là, rares sont ceux qui ont envie d'écouter parce qu'ils sont tellement occupés. Mais tu ne peux rien faire pour ça. Tu peux juste faire en sorte que toi, tu changes la donne pour toi. Et quand tu as changé la donne pour toi, alors le monde autour de toi va se poser des questions automatiquement. Parce que à chaque fois, quand on est un individu particulier, un peu à part dans un groupe, c'est souvent celui qu'on monte du doigt. Oui. Et celui qui se sent exclu d'une certaine façon. Et quand il se pose la question, qu'est-ce que j'ai de différent? Il ne dit pas qu'est-ce que j'ai de mieux que les autres, mais qu'est-ce que j'ai de différent ou de moins bien? Et c'est là la question. Comment exister tout seul par rapport à un groupe qui n'est pas sur une bonne posture? Accepter de se dire je suis moi-même, je me sens bien comme je suis et je vais exister envers et contre tous. Oui, mais d'accord, mais là il y a une volonté. Moi je dis il faut peut-être aller un peu plus loin que ça et regarder pourquoi il y a cette envie d'exister selon le regard des autres. Pourquoi on est tous accaparés par la peur du regard de l'autre? Parce que certainement, ce sont des regards qui nous jugent. Parce qu'on n'est pas moulé à la norme de tout ce que ces gens disent. La volonté collective dit il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il faut faire ci, il faut faire ça, pour que tu vives dans cette société, pour qu'on puisse t'accepter. Donc tu dois rentrer dans les clous, rentrer dans les normes. Et quand tu n'es pas dans les normes, parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas dans les normes, les gens te demandent d'être gentil, mais tu n'es pas gentil. Et quand tu n'es pas gentil, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu joues le rôle de celui qui est gentil. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on est toujours en train d'essayer de plaire à la société, au regard, pour qu'on puisse être accepté. Mais on joue un rôle, on n'est pas vrai, on continue en dessous du tapis, on continue à être ce que tout le désordre qu'il y a en soi continue à perdurer, parce qu'on ne veut pas changer ça, parce que ce désordre en soi, si tu l'abolis, tu vois, s'il n'y a plus ce désordre, eh bien, c'est là que tu es vrai. Et là, les gens ne t'accepteront plus. Et c'est ça la peur. Et de ne plus être accepté. Et oui. C'est d'être rejeté. Et oui. La plus grande peur, je pense, de l'être humain, c'est ça. C'est de ne pas être accepté par les autres, de ne pas être aimé, de ne pas être compris. Tu comprends? Mais tu vois, comme nous avons tellement peur, eh bien, nous jouons le rôle. Et c'est ce rôle qui nous perd. Parce que, en fait, quand tu joues le rôle, tu n'es plus dans le véritable, dans l'authentique. Tu n'es plus authentique. Tu es transformé par le rôle que tu joues et tu t'identifies au rôle que tu as,
que ce soit un rôle petit ou grand, hein, rôle d'un père de famille, ou rôle de monsieur le président, ou rôle de la boulangère, mais ce sont des rôles. Et quand tu joues ces rôles-là, ce que tu es se cache derrière le rôle pour exister. Donc, cette société-là, on a fabriqué des rôles pour que tu puisses être ce que les gens voient et ce que les gens aiment, ce que les gens peuvent profiter. Je dirais pas être, je dirais paraître. Ouais, paraître. Et la question, encore une fois, entre être et paraître, il y a beaucoup de, j'allais dire, d'émotions, de sentiments et surtout de traumatismes. Parce qu'on passe son temps, on passe sa vie parfois à faire semblant. Ouais. Ouais, et ça crée beaucoup, tu sais, de problèmes psychiatriques. Parce que tu vois, quand on est vrai, on ne se cache pas. On n'a pas des émotions, on n'a pas des situations de frustration, tu vois. Mais parce que, tu vois, de vivre la vie ensemble sans se mentir les uns les autres, sans se mentir à soi-même, quelle beauté! Parce que, en fait, tu n'as plus de tracasserie à faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Ça, c'est une tracasserie parce qu'il faut que tu perdures ça. C'est comme le mensonge. Bien sûr. Donc, si tu n'as pas compris que ça, en cultivant ça, tu es toi-même ton propre ennemi. Donc, abandonne ça. Regarde-le d'abord, vois-le. Parce que si tu ne le vois pas, tu ne pourras pas abandonner quelque chose que tu ne connais pas. Parce que nous avons pris ça pour une vérité, ce mensonge. Ce que je suis là, on dit ça, c'est moi. Mais si tu n'as pas débusqué le paraître dans lequel tu es, tu ne pourras pas sortir de ça. Donc les gens qui veulent sortir de ça, il faut qu'ils voient ça. Il faut qu'ils se mettent dans la position de témoin, un témoin envers eux-mêmes pour voir ce qui se passe. C'est quelque chose qui est un simulacre. On simule la vie. Oui, mais la question, c'est de cette force qu'on prend avec le temps de mentir à soi-même, de continuer et de perpétuer cette posture de dire « Non, je suis comme ça », alors que c'est pas tout à fait vrai. Mais ça arrange la personne de dire, de mentir parce qu'il est accepté par un groupe ou par la société. Bien sûr, parce que tu vois, c'est justement tout le problème de la peur, c'est d'être capable de vivre en dehors de tout ce qui a été dicté. Les sentiers battus, c'est ce qu'on connaît. Mais très peu d'entre nous vont au-delà des sentiers battus. Tout le monde répète ce qui a été dicté, ce qui a été approuvé, ce qui a été dans la norme. La norme de notre société, ça a été dicté depuis des milliers d'années. Et nous avons hérité de toute la race humaine avant nous, qui avons fait des conclusions. Et nous le perpétuons, nous le donnons encore à nos enfants. Et nous disons à nos enfants, ben, continuez à jouer. Mais être vrai, ça ne sert à rien. Il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. C'est ça qui compte dans la vie, dit-on. Hein? Mais de jouer avec le petit papillon et d'être heureux et tout ça, ça ne sert à rien. Il ne faut pas. Parce que tu ne seras pas en sécurité dans ta vie. Tu n'auras pas de boulot, tu seras un clochard. On te fait peur comme ça. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est quand tu as compris qu'il n'y a rien à être. Parce que quand tu deviens quelqu'un, tu mets la posture de l'apparence. Et l'apparence, ça n'existe pas. Une apparence, ça n'existe pas, c'est du vent. Oui. Hein? Et ce vent, quand il est balayé, eh bien tu souffres. Parce que tu croyais que c'était vrai. Tu croyais que j'étais monsieur un tel très important, hein, et que j'avais mon entreprise, mais mon entreprise s'effondre, qu'est-ce que tu fais? Mais ceci étant, Guy Roger, notre société nous fabrique, nous formate comme cela. Oui. Très tôt, avec le Père Noël, oui, avec les contes de fées, avec tout ce que on se monte la tête en disant que le Père Noël existe, que les fées existent, que les princesses existent, qu'on est des princes charmants, qu'on ira vivre dans un château. Mais très tôt,
avec les super-héros, oui. avec les animaux qui parlent. Mais toi, tu demandais tout à l'heure, comment faire prendre conscience à ces gens, oui. tu vois oui. Eh bien, le premier pas pour prendre conscience, c'est de voir que ça, ce sont des mensonges. Et que ça ne t'amène nulle part, que tu tournes en rond. Juste prendre conscience de ça, que tu tournes en rond toute ta vie. Eh bien, tu sais, quand tu comprends conscience de ça, Jismi, l'homme en lui-même, il est intelligent. Oui. Il y a une grande intelligence. Mais c'est que nous avons peur de sortir de ça. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est rassurant. C'est rassurant. Le Père Noël, il viendra me donner des jouets. Ben, je crois, oui. Donne-moi des jouets. Parce que, tu vois, tout ce que tu prends, tu vois, ça va te remplir une satisfaction immédiate. Mais il faudra toujours, toujours renouveler ça. Parce que l'homme est un éternel insatisfait. Oui, et il y aura une question qu'on abordera la prochaine fois. C'est dans cette construction, dans cette éducation, dans cette construction, il y a un autre élément qu'il va falloir dont on parle, c'est la place de la religion. D'accord. Nos croyances. Je veux bien. Voilà, on arrive au bout de ces 20 minutes. Merci Guy Roger. Merci Jismi. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. On va nous se poser la question la semaine prochaine, à savoir dans ce qu'on se construit, dans les espoirs, dans les rêves, qu'est-ce que la religion apporte de bien et de moins bien, qui fait qu'à un moment ou à un autre, on remet en cause de toute façon l'existence même de Dieu. Merci. Guy Roger, on va marquer une pause, on se retrouve juste après. Quels sont les contrats que vous avez aujourd'hui ? Le contrat que j'ai aujourd'hui, j'ai un CDI en tant qu'auxiliaire de vie et j'ai un contrat en tant que femme de ménage. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le contrat en tant qu'auxiliaire de vie, c'est un contrat à temps partiel. Et du coup, ça ne suffit pas en fin de mois. Et donc, j'ai pris ce petit travail à côté pour pouvoir arrondir mes fins de mois. Comment vous vous organisez pour que ça se passe bien? J'ai déposé, un planning d'indisponibilité en tant qu'auxiliaire de vie dans cette société actuelle. Et du coup, j'ai pris mon lundi après-midi et le vendredi après-midi que je travaille chez l'autre employeur. Combien d'heures vous faites par semaine? En tant qu'auxiliaire de vie dans cette société actuelle? Par semaine, je dois faire à peu près 32 à 34 heures par semaine. Et chez l'autre employeur, je fais 4 temps par semaine. C'est pas trop lourd à gérer? Non, ça va. Ça va, ça va. Est-ce que vous arrivez à bien gérer le temps et à garder la bonne énergie, justement, pour être performante dans les deux métiers? D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Vu que dans l'auxiliaire de vie, j'effectue deux bénéficiaires dans la matinée. Et après, j'ai mes 4 temps dans l'après-midi chez l'autre employeur, et ainsi que vendredi. Donc du coup, le planning il est quand même assez léger ces deux jours-là. Donc ça va, j'arrive à gérer. Comment vous arrangez pour avoir une vie sereine, si on peut dire? Pour avoir une vie sereine, j'évacue quand ça arrive le week-end, le samedi, ou j'ai férié quand je ne travaille pas, vu qu'on est amené à travailler ces jours-là aussi. Et du coup, je vais faire une petite marche dans la forêt, bord de la rivière, pour évacuer la tête. Travailler le jour férié ou le dimanche? Oui. Comment ça se passe? Le dimanche, chez un bénéficiaire, c'est quand même assez exceptionnel. Ce monsieur-là, il est porteur d'handicap, il est dans un fauteuil roulant.
qu'il ne peut pas être de l'extérieur de sa maison, mais il reste à l'intérieur tous les jours. Et du coup, le dimanche matin, le dimanche, je dirais, j'interviens 3 fois dans la journée. Du coup, j'y vais le matin pour lui donner son petit déjeuner. Bien sûr, quand j'arrive, un petit moment de détente, je lui dis bonjour, comment ça va? Est-ce que ça s'est bien passé la nuit? Samedi, est-ce qu'il y a eu de la visite? Juste pour détendre un petit peu. Ensuite, je lui demande combien de tartines il veut. À ce moment-là, je prépare son tartine, son café, et puis je l'invite à table. Ensuite, je vais dans sa chambre pour ouvrir, pour aérer sa maison. Et une fois qu'il a fini, je relave tout et je lui dis ben, à tout à l'heure à 11h. Et à 11h, comme ce monsieur-là, il est placé sur tutrice, et du coup, le dimanche, le CCAS n'apporte pas de repas pour lui. Du coup, on va dans un petit snack bar. Je vais chercher son repas, une baguette pour le midi, une baguette pour le soir. Et à ce moment-là, quand je prépare son assiette, je lui dis, ben, il vient à table, il mange, et après on refait la vaisselle. À ce moment-là, je marche un petit peu avec lui, maintenant dans l'heure, parce qu'on a une heure de temps matin, une heure de temps 11h et une heure de temps le soir. Donc une fois qu'il a fini de manger, je marche un petit peu avec lui, on discute. Et après, je lui dis ben, bon après-midi et on se retrouve ce soir. Ben, 17h, je retourne. Là, je demande comment ça s'est passé son après-midi. Est-ce qu'il a eu la visite? Est-ce que la famille est passée? Et ensuite, à 17h, je commence à préparer son repas. Et il vient à table, il mange. Vers 17h20, 17h25, il a fini. Je m'assois un petit peu avec lui, on discute. On parle un petit peu de son vécu, pour faire travailler un petit peu sa mémoire, pour stimuler un petit peu sa mémoire et tout ça. Et après, une fois à 18h, je le mets au lit, je fais le transfert. Et ben, je lui dis ben, bonne nuit, ben, à demain. Et je ferme sa maison et voilà quoi. Ce champ de travail que vous faites, comment vous le vivez? Ben, je le vis bien parce que je prends ça comme une mission que Dieu m'a confiée pour rendre ces gens-là heureux. Et du coup, ben, du moment qu'ils sont heureux, ben, je suis heureuse aussi. Alors du coup, je fais mon travail avec plaisir, avec joie, apporter un bien-être à toutes ces personnes qui sont fragiles, ces personnes qui sont dépendantes. Et c'est un travail merveilleux. Franchement, c'est un travail merveilleux. Bientôt, ça va faire 30 ans que je fais ce travail, donc j'aime bien mon travail.